Salut tout le monde! Et vous avez été nombreux à nous demander des nouvelles de la petite Génisse qui avait la patte cassée. Elle est toujours ici avec sa mère. Et ben on va vous la montrer de plus près. Donc elle est plâtrée depuis bientôt une semaine. Et quand elle se déplace, elle ne pose pas la patte par terre, elle marche plutôt sur trois pattes. Et ce qui est plutôt bon signe parce que comme ça, elle ne force pas sur la patte cassée et elle pourrait se consolider plus rapidement. Donc on laisse le plâtre pendant un mois et on l'enlève dans 3 semaines maintenant et on espère que ça ira beaucoup mieux. Voilà, mais on ne sait pas du tout pour l'instant. Donc là, on passe régulièrement vérifier que tout va bien au niveau du plâtre, qu'il n'y a pas de mauvaise odeur, qu'il n'y a pas de blessure. Et pour l'instant, ça ne va pas trop mal. Donc il n'y a pas de raison que ça empire. Donc voilà, surveillance, repos. Et ça va, elle n'a pas trop maigri pour l'instant, ça veut dire qu'elle mange bien quand même. On a la chance que la petite Génisse et sa mère, elles soient vraiment très sympas. Parce que même la mère, quand on va autour du veau, elle ne dit rien. Et du coup, c'est plus facile de surveiller la convalescence. On se méfie quand même de la mère quand on va autour du veau. Mais voilà. C'est dans le top 3 des caractères du troupeau. Bon, ici, on a une en face, là, quand vous les gardez. Et dis donc, elle a un mauvais caractère, là. Hein. Fais gaffe, hein. Bizarre. Jusqu'à présent, elle était sympa. Ouais. Je sais pas ce qu'elle a. Mais elle aime pas les enfants. Elle les suit partout. Ouais, elle les suit. Regardez ça. Donc je crois qu'elle a un petit peu choisi un petit peu son sort, hein, celle-ci. Hein. On a fait marcher au licol l'autre jour, elle était dans les 5, on a dressé 5, hein, c'est ça Julien? Ouais. Et elle ressortait du lot, ben, ces deux-là. Mais là, elle commence à... Regarde ça. Ouais, elle est agressive un peu. Ouais, donc je crois que ça ne va pas être à garder. Ouais. Attention Léa, regarde ça. Qu'est-ce qui lui arrive donc? Regardez comment elle regarde... Sarah qui arrive. Elle la suit. Oui, on dresse nos animaux. Vous dites qu'ils sont calmes et ils sont pas tous pareils. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. C'est comme ça. Mais là, jusqu'à présent, ça s'était pas déclaré. Elle. Ça allait. Et là, je sais pas ce qu'elle a. Ça fait 2 fois que les enfants ils viennent là. Bah oui, celle du derrière, celle-là, ouais. Elle a un peu dur à marcher au licol, mais elle est plutôt cool. Mais elle peut pas sortir en concours. Elle est race pure, mais elle est instructible à tout. Pourquoi? Il y a une petite Génisse là qui est très très jolie, sensuelle. C'est un premier veau. Hein. Elle est longue, elle est fine d'os, elle est bien faite. J'aime bien le dos et le filet. On aimerait bien, j'aurais bien aimé... elle marche bien au licol, pas trop mal. J'aurais bien aimé la sortir en concours, mais on ne peut pas parce qu'elle n'est pas inscriptible au yardbook. Elle ne remplit pas toutes les conditions nécessaires au niveau des parents pour pouvoir être inscrite. Donc voilà, ça fera une belle génisse à la ferme. C'est des animaux qu'on aimerait bien sortir et présenter, mais on peut pas. Et on en a une autre encore plus belle, une sans corne ici, là, Saturne, qui est encore plus jolie que sensuelle, mais pareil, elle est pas race pure encore, donc on peut pas l'inscrire ni la présenter en compte. Celle-là, bien sûr qu'elle est corne, elle est race pure. Mais elle est... elle est belle quand même. Après, à voir, elle fera peut-être un veau quand même. Faut voir comment elle se comporte à la patte. Ah, je sais pas. Si elle commence déjà comme ça... Ça fait un moment qu'elle est là aussi, dans le bâtiment. Ici, dans le bâtiment, il nous reste quelques bêtes. On finit son engraissement, en fait, comme les quelques bœufs, là. Donc on les finit à l'enrubaner, sans concentrer, ça se passe pas trop mal. Le bœuf, là, est quasiment fini. Et on a 2 génisses qu'on va garder pour le renouvellement. Hein. Rumba. Et il y a une très, très jolie, là. C'est Rogue One. Elle est prête à inséminer, maintenant. On la garde là, on va l'inséminer. Je pense que je vais mettre un taureau sans corne dessus, là. C'est une bonne lignée de vaches. Ça, c'est un bœuf, ça, là, le sans-corne. C'est une génisse qui part la semaine prochaine. Le sans-corne, c'est un bœuf pour le mois d'octobre. Nous, ici, ils peuvent aller dehors. Hein. Ils ont une courette extérieure, donc... Oui, de toute façon, en bio, on n'a pas le droit de les engraisser en bâtiment. Hein. Non. Il faut qu'ils aient un accès dehors. Eh ben la voilà, la super génisse qu'on aime bien, Saturne. Elle est très, très jolie. Tu viens, Cocotte? Allez, viens. Mais c'est une croisée. Viens montrer. Elle a bon caractère, en plus.
Ça y est, la voilà. Allez, viens. Allez, fais pas ta timide. Là. Donc là, on donne de l'enrubanné qui a été fait fin mars, cette année. Là. Et on a rentré encore de l'enrubanné cette semaine et du foin. Hein. Donc on doit être rendu à avoir rentré 500 bottes d'enrubanné et presque 200 en foin. Et ça suffira pas pour l'hiver. Et ce qui nous inquiète, c'est que là, il n'y a plus d'herbe dans les champs. Là, tout est grillé, tout est sec. Il nous reste 15 jours d'avance de pâturage. Allez, peut-être 3 semaines pour les limousines, si ça ne grille pas trop. Hein. Par contre, pour les laitières, on n'a plus. Donc pour les vaches laitières, on est déjà en ration d'hiver. Elles bouffent chaque jour, elles bouffent 2 bottes d'enrubanné et 500 kg de maïs en silage. Et là, vu ce qui arrive, si c'est comme ça tout l'automne jusqu'à l'hiver, on n'aura pas assez de bouffe pour passer l'hiver. Donc on se prépare déjà à mettre de côté les animaux qu'on va sans doute vendre à l'automne. Des broutards qu'on pensait garder, on va les vendre. Et pareil pour des vaches qu'on hésitait à réformer, ben là ça va être la réforme. Et en plus la bouffe elle est chère cette année, s'il fallait acheter du foin ou de l'enrubanné, ça va être cher, ça vaut pas le coup. On se prépare à vendre plus d'animaux que prévu en fait, pour passer l'hiver tranquille. Ben voilà, c'était les nouvelles fraîches quoi. Au niveau des animaux, ça se passe pas trop mal, mais c'est au niveau de la bouffe qu'on est un peu inquiet. Et ça commence à me tracasser pour l'hiver qui vient. On est dimanche soir, là, 19h30, on a fini la traite. Là, je suis venu pouvoir faire un tour, voir comment allait la génisse plâtrée et rapprocher un peu la bouffe. Là. Et puis c'est bon, on rentre à la maison. Vous dites au revoir les enfants.